Tristesse et désolation. Le marché d'Abobote part en fumée. Cet incendie s'est déclenché aux environs de 19h et selon les commerçants, un coup-circuit serait à l'origine de ce feu. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels et financiers sont énormes. Sac de riz là, c'est plus de 300 sacs. Il y a sac de sucre, 25 sacs. Et tomates et puis les pâtes alimentaires là, je n'aime pas les calculs. On a perdu tout, 2 millions 200 000. On calcule ça comme ça, sinon c'est trop beaucoup. Martine allait payer ma santé, c'est avant-hier. Vraiment, aujourd'hui, tout est parti. Hier, ma soeur est venue, on a mis le jour qu'à fatiguer, donc ils ont envoyé à la maison tout juste. Que bon Dieu nous aide. Sapeurs, pompiers militaires et population sont à pied d'œuvre pour s'y construire l'incendie. On a dépêché 3 engins d'incendie, à savoir un fourgon et 2 porteurs d'eau, pour essayer d'éteindre ce feu. Donc effectivement, c'est les 3 engins qui sont arrivés. Dans un premier temps, on a maintenu le feu dans son volume initial. Et là, nous sommes en train de procéder à l'extinction des derniers foyers. Et puis vous savez, c'est un marché, donc il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Quand c'est comme ça, la population est vraiment nombreuse, donc c'est pas facile de travailler. Plusieurs magasins et boutiques n'ont pas échappé à cet incendie.